étrange obsession que celle de l'homme, reconstruire ce qu'il a détruit, remodeler la matière en espérant recréer ce qu'il a perdu. Il met ainsi son talent et son génie au service de ses mains, dans l'espoir peut-être de se faire pardonner ses faiblesses. Mais il sait aussi que cela ne fera pas revenir l'oiseau synonyme d'extinction le plus célèbre au monde, le dodo, vu pour la dernière fois en 1693. Que savons-nous au fait du dodo ? Qu'il faisait dans les 60-70 cm de haut, qu'il était assez balourd et pesait dans les 12 kg, qu'il n'avait pas sa licence de vol parce qu'en outre ses ailes étaient atrophiées. En fait, qu'il a été exterminé jusqu'au dernier par les Hollandais. Tout n'a pas été dit sur le dodo. La découverte en 2005 d'un véritable cimetière de dodos et autres animaux à Maroussonge, dans le sud de l'île, a permis de mettre à jour bien des vestiges et le monde scientifique est depuis en ébullition, à Maurice comme à l'étranger. Les analyses et les recherches ADN vont permettre de résoudre bien des énigmes. Je m'appelle Ritvik Niabon et je vous invite à nous suivre. En compagnie de scientifiques, de paléontologues, d'artisans, de poètes et d'écrivains, nous irons sur la piste du dodo, un oiseau mythique, mais plus présent que jamais. Quand avez-vous entendu parler pour la première fois du dodo ? En le voyant sur les armoiries de la République peut-être ? Ou était-ce en lisant une bande dessinée ? Était-ce votre équipe de football ? Vous a-t-il inspiré une action civique ? Ou peut-être marqué vos pas dans le journalisme ? Pour l'acteur Gérard Depardieu, c'est lorsqu'il a reçu le dodo d'or. Pour les enfants de la génération 90, c'est grâce à la télévision qu'ils l'ont découvert. Vous êtes un dodo ? Ah oui, je suis un dodo. C'est ça. Et moi, je suis Napoléon. Il y en a plus depuis 400 ans, des dodos. Oh, j'hallucine. Vous pouvez pas être un... Un quoi ? Un dodo, c'est pas croyable. En ce qui me concerne, c'est au musée que je l'ai vu pour la première fois. Avec les yeux d'un enfant qui découvre ces animaux étranges et merveilleux et dont nous n'avons malheureusement pu prendre soin. Au musée de l'histoire naturelle à Port-Louis, il y a encore des enfants qui s'intéressent à notre histoire et qui nous racontent ce qu'on leur a raconté. Le dodo, ça, ban hollandais, une fille Maurice, tu lis un commencement, c'est avec ban tout ici, c'est dodo pas sur les grappes et nous libérons. Depuis que je commence à lire, de comment Gaipia une sauvée, après une pierre Adam Maurice. Il y a bien longtemps, notre île et quelques autres, La Réunion, Rodrigue, Madagascar, perdues au milieu de l'océan Indien, abritaient des espèces d'animaux comme on n'en voyait nulle part ailleurs. Un lézard géant. La poule rouge, le hibou de Commerson, le perroquet à gros bec, le pigeon bleu, la chauve-souris et le dodo. Tous vivaient selon les lois de la nature sur une île encore sauvage et vierge, où l'homme n'avait pas encore mis les pieds, car il ne l'avait pas encore trouvé. Soif de conquête, esprit d'aventure, alizé complaisante, amène dans nos parages au début du XVIe siècle des marins arabes, des navigateurs portugais et des explorateurs hollandais. Musique
Le 20 septembre 1598, les Hollandais mettent pied à terre à Vieux-Grand-Port. L'île prend le nom de Mauritius, du nom du stadhouder Maurits van Nassau. Commence alors une période de colonisation humaine qui marque aussi la fin de plusieurs espèces endémiques. De la vingtaine qui vivait alors, très peu survivront à la présence de l'homme, à l'introduction des rats, des singes et des chiens. Le dodo, comme les autres, n'allait pas tenir longtemps. Sa disparition programmée a fasciné les paléontologues, ces scientifiques qui étudient les fossiles et les anciennes formes de vie. C'est un animal assez grand, hein, ça fait à peu près 60 cm de haut, qui est aussi gros qu'un gros dindon, mais pas aussi gros qu'on le présente souvent dans les musées. Hein. On le présente comme un animal assez gros, trapu, qui a des problèmes de locomotion, tout ça. Mais en fait, le dodo n'était pas vraiment comme ça, suite à des études qu'on a faites. On voit que ce n'est pas un animal aussi gros qu'on a supposé être. Hein. Et comme elle a disparu très rapidement, on n'a pas eu de description visuelle sur l'immédiat, sauf les premiers croquis seulement des Hollandais. Rodrigue, c'est durant son séjour entre 1691 et 1693 que François Legat, historien et premier résident de la petite île, fera des dessins du solitaire, un cousin du dodo. Il régnait au même titre que le Cylindraspis vosmeri, la tortue géante. Le cousin Rodrigue est un autre pigeon, hein, qui est aussi gros et un petit peu plus haut que le dodo. Et il a vraisemblablement subi les mêmes processus évolutif que le dodo. Donc un pigeon qui a atterri sur Rodrigue et qui a évolué sur place. Et on appelle ça des évolutions en parallèle, hein, qui convergent vers quelque chose de similaire. Hein. Donc deux espèces dans deux îles et qui ont subi presque les mêmes transformations. Mais ils ont d'origine différente. Hein. Alors dans mes études qu'on a faites sur l'anatomie du dodo, j'ai pu démontrer que le dodo, c'était un pigeon frugivore, mais qui est différent du même origine que du solitaire. Donc, ce deux types de pigeons différents. Hein. Et bon, la même chose est arrivée au solitaire. Il a été décimé par les voyageurs et les marins qui sont venus à Rodrigue. Une recherche internet sur le dodo me donne près de 200 000 sites. Parmi les photos en ligne, celle-ci, prise à La Réunion, qui prétend voir aussi son dodo, et qui est en fait l'emblème d'une boisson. Aucune preuve concrète d'un dodo à La Réunion n'a été mise à jour. Jusqu'à présent, on n'a pas d'évidence hein, physique qu'il y avait un dodo à La Réunion. Donc, tout ce qui a été fait entièrement pour montrer que il y avait un dodo à La Réunion. Bon, c'est basé sur des raconteurs, des histoires de voyage, etc. Mais ce n'est pas vrai du tout pour l'instant. Hein. Jusqu'à ce que preuve du contraire, on n'a rien de similaire au dodo à La Réunion. Sauf qu'on a trouvé des espèces qui sont apparentées aux ibis. Hein. L'ibis est aussi un gros oiseau. Et on a trouvé des restes de bec d'un ibis. Et il se peut que cet ibis a été décrit comme un dodo ou un solitaire de La Réunion. Pour savoir à quoi ressemblait vraiment cet oiseau, je me rends à la citadelle, à l'origine un fort pour défendre la capitale, mais aujourd'hui un espace culturel. Un passionné de l'histoire de Maurice a aménagé un musée particulier, celui des reproductions des peintures célèbres du dodo. Les quatre navires qui sont restés ici au tout début en 1498, parmi les quatre, il y en avait un qui s'appelait le Gelderland. Et dans le Gelderland, il y avait des Hollandais, donc des marins, et évidemment à bord, il y avait toujours un journal de bord. Et ce n'est dernièrement, là, il y a peu d'années, en 1995, qu'on a retrouvé le journal de bord du Gelderland à La Haye.
Et donc, dans le journal de bord, vous avez tous les écrits en vieux hollandais, mais également vous avez des esquisses de dodo. Et en fait, ce sont les seules esquisses qui ont été faites avec un animal vivant à l'état sauvage. Parce que les autres, c'est pas pareil. L'animal était vivant parfois, mais vivant, mais pas à l'état sauvage. C'est pas pareil. Parce que là, vraiment, c'est le dodo tel qu'ils l'ont trouvé en arrivant. Et c'est assez touchant parce qu'on voit la force des pattes, elle est encore plus visible que dans d'autres dessins par la suite. Puis même ce bec aussi est extrêmement remarquable. Et l'atrophie des ailes est encore plus marquée aussi. Donc c'est une version quand même très troublante. Puis on voit bien, il est très vertical, un peu une position presque humaine, quoi. Alors c'est troublant, mais en même temps, c'est les premiers témoignages crédibles en fait sur le dodo. Ah ben c'est sûr qu'en plus vous avez raison, parce qu'à un moment donné, c'est-à-dire à partir de 1700 jusqu'à 1805, jusqu'à 1840 à peu près, il y a pas mal de gens qui ont fini par croire que le dodo n'avait pas existé, que c'était des racontars, parce qu'il y avait aussi beaucoup d'animaux dont les marins racontaient l'existence qui en fait n'existait pas, quoi. Des licornes de mer, des tas de trucs, enfin il y avait plein d'animaux. Bien sûr le narval existe, mais il y avait plein de racontars. Est-ce qu'il y avait des trucs vrais, des trucs faux, on ne savait pas. Et il y avait pas mal de gens qui disaient, oui, d'accord, bon, il raconte un truc sur le dodo, mais enfin, bon, c'est bien que c'est faux, quoi. Alors, en fait, ce n'est que à partir du moment où il y a eu, vers 1840-48, que les gens ont commencé à basculer, puis après, la découverte de Marensonge a définitivement ancré les choses dans la réalité. Vogel veut dire l'oiseau, et Vag veut dire de nausée ou bien nauséabond. Donc ça veut dire qu'à plusieurs reprises, on voit que les Hollandais l'ont appelé d'abord, ils l'ont appelé de plusieurs façons. Ils ont commencé par l'appeler oiseau de kermesse. Parce que quand ils sont arrivés, c'était le jour de la fête d'Amsterdam. Alors comme c'était la fête, ils ont appelé l'oiseau de kermesse. Puis après, ils l'ont changé encore de nom plusieurs fois. Et puis ça s'est stabilisé à un moment donné. Avant de l'appeler dodo beaucoup plus tard, ils l'ont appelé Vogel pendant assez longtemps, c'est-à-dire oiseau de nausée ou nauséabond. Parce qu'il n'était pas bon à manger du tout. Ils ont essayé de le manger, hein, bien sûr, hein, on ne va pas dire qu'ils ne l'ont pas mangé. Mais c'était à la fois, disent-ils, une viande qui n'était pas de qualité, et puis d'autre part, qui était coriace. Et ils insistent sur le fait qu'il fallait au moins 5 heures de cuisson, donc c'était pas terrible, quoi. Par rapport au cateau, par exemple, tous les perroquets, c'est bien meilleur. Donc il n'y avait pas photo, ils ne sont pas acharnés sur le dodo comme les gens l'ont dit, c'est faux. Parce que, comme ils disent lui eux-mêmes, et ils l'ont appelé oiseau de nausée, ça ne peut pas être par hasard. C'est que vraiment, l'oiseau ne valait pas le coup, quoi. Donc, à mon avis, du point de vue purement culinaire, à moins que les Hollandais n'aient pas su se débrouiller. Parce qu'attention, on en a retrouvé des. Alors, peut-être que les marrons auraient su comment le cuisiner, eux. On ne sait pas. Mais jusqu'à présent, en tout cas, les Hollandais ne l'ont pas mangé jusqu'au dernier. Ça, c'est faux. Donc on voit bien que le fait qu'il n'ait pas laissé de traces, c'est ça qui a permis ensuite à la fantaisie de s'établir. C'est-à-dire qu'après, c'est devenu un animal mythique. On a pu broder, on a pu faire tout ce qu'on voulait. Donc c'est un animal qui est utile parce qu'il a servi à tous les fantasmes à la fois des scientifiques et tous les fantasmes des artistes aussi. Donc c'était un oiseau formidable pour ça. Au XVIIIe siècle, le dodo, on s'occupe que de sa physiologie. Comment il fonctionne, à l'intérieur, comment c'est, la pierre de Jésier, comment c'est, sa digestion, tout ça. Au 19e siècle, comment le classer? Dans quel tiroir? Et le 19e siècle, c'est que ça. Comment classer les choses? Comment, une fois que l'inné a donné les trucs, les données principales pour le classement, le 19e siècle, on ne fait que classer. C'est la folie du classement, au point d'arriver jusqu'au racisme pour l'être humain. Mais après, vous avez le 20e siècle, alors là, c'est mais comment le refaire vivre? La génétique. Donc au XXe siècle, toute la science se tourne à fond vers la génétique et tout, jusqu'aux dernières années du XXe siècle, où vraiment c'est l'aboutissement, l'apothéose de la science génétique, capable de refaire n'importe quoi à la limite. Donc là, le délire devient uniquement tourné vers que va-t-on faire? Va-t-on pouvoir le refaire vivre? Ça, c'est... Alors il dit tout ça, il nous dit ce que nous sommes, ce que il nous dit nos fantasmes, nos préoccupations du moment, il dit tout ça. Ça, c'est la version du dodo de Surat, on appelle ça. C'est-à-dire ça a été fait par un artiste de la ville de Surat, en Inde, qui s'appelle Oustad Mansour, on a son nom, et qui travaillait pour le Shah Jahangir, c'est-à-dire l'équivalent du roi de toute la région de Surat, qui était immense, un grand royaume.
Et donc, il y a des marins anglais qui sont arrivés à Surat et qui ont offert comme présent, comme c'était le cas un peu partout dans le monde, on offrait des présents et souvent des raretés qu'on amenait d'autres endroits qu'on avait visités, comme là, un dodo. Donc, ils ont offert un dodo au Shah Jahangir et le Shah Jahangir a demandé à son meilleur peintre de l'époque, Oustad Mansour, qui faisait des miniatures, qu'on dit miniatures persanes, même si ce n'est pas la Perse, mais donc, il faisait ce type de peinture, il a fait le dodo. Et alors, ce qu'on sait, c'est que les autres oiseaux là, qui sont là, les quatre autres espèces, existent toujours. Et ce sont des espèces qui sont très très proches, visuellement parlant, picturalement parlant, c'est très très proche de l'oiseau véritable. Donc, on se dit que vraisemblablement, si les quatre oiseaux qui sont là ressemblent au vrai, ben, il y a toutes sortes de, il y a toutes de fortes raisons de penser que le dodo qui est au centre est aussi, lui, très proche de l'original. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que vous voyez qu'il est assez spécial, il est beaucoup plus bleuté, et il est même un peu duveteux comme aspect. C'est pas... il est différent des autres versions du dodo. Alors, il y a toujours des polémiques, savoir lequel est le plus vrai de toutes ces versions-là. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que d'emblée, le dodo, on peut dire qu'il est mauricien. Il est mauricien pourquoi? Parce qu'il est interculturel. Là, vous avez une version indienne, vous avez d'autres versions indiennes. Par exemple, au musée de Bombay, il y a actuellement un dodo dessiné par un artiste indien et qui a écrit au-dessus, à côté, guide, qui veut dire vautour. Mais c'est un dodo. Pourquoi il a écrit vautour? Parce qu'en fait, il l'a rapproché d'un autre oiseau qui est déplumé de la tête, qui est le vautour. Donc ils ont vu, lui, eux, ils l'ont tiré plutôt vers le vautour. Il y en a d'autres qui l'ont tiré vers les canards, d'autres qui l'ont tiré vers les volailles, ainsi de suite. Donc chacun a vu midi à sa porte, chacun a vu le dodo à sa façon. Et chacun dans le monde, on sait que le dodo est allé, on en a offert jusqu'à Nagasaki, au Japon. Il y a eu des dodos qui ont été amenés jusqu'au Japon, qui ont été offerts à l'empereur. Donc des versions, on n'est pas à l'abri d'en trouver de tous les côtés. Celle-là, par exemple, elle n'est pas même en Inde, elle est à Saint-Pétersbourg en Russie. Donc c'est vraiment un oiseau interculturel dès le départ. Le squelette du musée de Port-Louis a été découvert par Louis-Étienne Thériault au début du XXe siècle. Thériault était un coiffeur amateur des sciences naturelles. Il a aussi découvert au pied de la montagne du Pouce le seul squelette complet du Dilosaurus mauritianus, le lézard géant. Il est précieusement conservé dans la réserve du musée où je me rends car je me demande si on a découvert d'autres ossements de dodo. Nous sommes donc dans la réserve pour parler de cet oiseau mythique et nous avons avec nous le conservateur du musée. Mais si nous recevons-nous ici dans la réserve, qui est un endroit qui en général le public peine à accéder, et si nous là, c'est parce que nous n'en connaissons en fait au musée combien d'objets on a qui concernent le dodo. Dans le musée Pauli de réserve, nous avons environ 3000 objets qui concernent différentes parties ossements de dodo. Par exemple, comme on vous montre ici, là, ça c'est une partie. On appelle l'hyène pelvis, il y a une partie sur l'écho, deuxièmement, partie haut de l'oiseau dodo sur l'écho. Et là, c'est une partie bien intéressante, c'est une partie, on appelle un thème qui nous dit métatarsus. C'est une partie qui, d'après un modèle qui m'a montré ici, là, il rentre ici, là. Après, juste au bas de ça, nous avons ce man de doigts qui sortit, ce man de phalange qui sortit là. Ça, ce modèle qui se peut trouver ici, là, c'est un modèle, un cast, un right foot, sorti Oxford, musée d'Oxford. Et puis, moi, j'ai intéressé à montrer aussi, ça, c'est une partie fumeur, une partie qui trouve dans les pieds de dos, une partie en haut, juste là-haut, tibia. Et voilà, ça, c'est le tibia. Ça, c'est le tibia, une partie que vous trouvez sur... Comparaison avec Sanala, avec un fumeur, avec Sanala, vous trouvez la différence. Sanala, les plis beaucoup plus longs, avec Sanala, les coudes, avec les stuff. C'est pour supporter le mouvement de deux. Et puis, Kachoupé, est-ce qu'il parle de un peu depuis combien de temps, en fait, il conserve Saban Osmola au musée à Port-Louis? Nous avons Saban Osmola, nous avons une collection de l'année de 1900. Depuis 1900, toute Saban collection-là est déjà au musée. Nous faisons un traitement avec, généralement, nous faisons un nettoyage. Après, nous gardons dans de bonnes conditions. Il ne faudrait pas qu'il gagne l'humidité pour les garder. Et on dit, nous, il y a à peu près 3000 ossements que nous conservons. Vous pensez dans cette boîte plastique-là? Oui, exactement. Nous avons 3000 de cette même espèce-là, qui vous trouvez ici. Nous avons plusieurs boîtes qui ont un ossement de deux. Marosson, dans le sud de l'île. J'y retrouve Alain Griot. Il a écrit sur le dodo et le solitaire.
that yourself. Yes. Nous sommes à quelques centaines de mètres de l'aéroport international Celsius Agha Ramgoolam. Sur cette ligne, passait un chemin de fer qui reliait Maïbourg à Kyopip. Elle a été construite dans les années 1863-1864. And then, Alan, in 1865, something happened here. Yes. In 1865, this railway was being built. And there was an engineer here in charge of the project. And he came from England, called Harry Higginson. And just before the railway opened, he was walking along here when he looked down at the marsh below, which we know as Mar Assange. And he looked down there, and there were some laborers digging peat for putting on the sugar fields as a fertilizer. And he saw something else that they were picking out of the water. And he saw then they were picking out bones. So you can imagine he walked down to Mar Assange and asked the men, could he take a few of those bones to a friend of his? So they said yes, and he put the bones in his pocket and went to Maybourg, which is only a few miles from here. In Maybourg, there was a school teacher called George Clark, and he'd been very, very interested in getting dodo bones. We'd never found dodo bones in Mauritius before. There was no proof that the dodo had actually been here. Until we find bones, then, of course, that would be definite proof. So George Clark came from Maybourg and helped the men dig for bones. They dug down with their feet, feeling, and then picking up the bone, and they were dodo bones. So these dodo bones were sent to London for expert advice, and that's how the story all began about the dodo bones being found in 1865 by George Clark so long ago. What did it mean at that time, this discovery? Actually, it meant nothing at all. Of course, as I said before, it was important on the world stage because it proved that the dodo had existed here in Mauritius. But here locally, it meant nothing because in 1865, 1866, in Mauritius, one-fifth of the population of Mauritius had died from cholera and malaria. So the finding of a few odd bones meant nothing to the local people, only that now they started to call Mar Assange, they started to call it Mar Dodo. That was the only thing that happened here. La Mar Assange est située sur la propriété d'un établissement sucrier, Mon Trésor, Mon Désert. Elle a autorisé la première expédition dodo en 2005. La MTMD accepte de nous ouvrir ses dossiers. Nous, à notre niveau, on se dit MTMD va pouvoir contribuer, mais d'une façon significative, au rétablissement des faits qui ont entraîné la disparition du dodo. Et ce sera peut-être, en quelque sorte, une contribution au patrimoine mauricien. Le dodo appartient à notre patrimoine propre, que nul autre pays ne peut réclamer, ce qui fait que c'est une chance inouïe pour nous à MTMD de se dire que voilà, ça va être une contribution que MTMD pourra apporter à la nation. Ici, on a un bec du dodo, et ce bec du dodo-là est unique parce que, comme ça, il n'y en a pas énormément au monde. Je crois que c'est le troisième qu'on a découvert, donc c'est quand même pour nous un trésor. Tout récemment, le site de la Mar Assange a été décrété patrimoine national par le National Heritage Fund. Et à ce titre, il y a une collaboration étroite entre le NHF et nous-mêmes pour justement développer la conscience, je dirais même mondiale, au niveau de l'existence du dodo, comment le dodo a vécu, qu'est-ce que représente le dodo et pourquoi le dodo a disparu, pour que nous puissions apprendre des erreurs du passé afin que ça ne se reproduise pas pour d'autres espèces dans le futur. Le dodo, je crois, a une figure emblématique dans le sens qu'on dit « as dead as a dodo », aussi mort que le dodo, et aussi « as extinct as the dodo ».
et on ne voudrait pas que ça... On voudrait protéger, si vous voulez, autant d'espèces qu'on peut du même sort que le dodo. La mare aux songes est un réceptacle de beaucoup d'espèces, hein, mais surtout des tortues. Hein. C'est vrai qu'il y avait du dodo, mais il y avait moins de dodo que de tortues. Mais malgré tout, avec les restes qu'on a, on peut faire beaucoup de tests, des tests statistiques, des tests sur l'ADN aussi. Le site archéologique est un trésor. Les chercheurs et les paléontologues l'affirment. Enfoui dans la vase, il y a des animaux morts depuis 4000 ans. C'est unique au monde, un vrai patrimoine qui laisse rêveur et qui fait fantasmer. Let's go back in time to what this place was like before humans arrived. On this very site here, there would have been standing water. It would have been surrounded by trees which are very rare or extinct now. Tortoises by the thousand on the shore edges, dodos milling about drinking water, flocks of parrots, flocks of pigeons, fruit bats everywhere, small birds hopping about. It would have been an incredible sight. But sadly, once humans arrived, it all ended. Very short period of time, they were hunted out, introduced animals came in, and all these species are gone. So our only record now, and what we can try and work out what was here originally, is relying on these fossil remains and this site and what we're doing now. It is a huge site, but we have a large problem. The site has been covered up by at least 1 meter of stones. So we have, in order to go through this, we can only open up a small space. Then we have a second problem. Underneath the stones, we have water-rich mud. So that's why we use a pump to, we dig a hole and we use a pump to get rid of the excess water. But it's very complex to make a hole here, because if you try to make a hole in mud, all the water flows back. So we use the Dutch polder technique, that involves making a dike. You can see part of the dike just underneath your feet. We made a dike, we filled part of the dike on the back side of the dike. We filled it up with clay so the water cannot flow in. And then we installed several pumps to pump away the water from the soil below. And this allows us to open up a small square and we can excavate very carefully, layer by layer, to disclose the fossil rich layer. Once we've started getting soil and sediments which contain bones from this site, they then have to be cleaned and washed, and so we can pick through and find everything. So once material comes out of the excavation hole, the pit which is behind me, we then transfer it over to here where we have a sieve system, and here the material is washed and then bones can be picked out. Now I know that you found big bones and very, very tiny bones. How do you do that? We start off by looking visually at what material we can take out. So big bones like tortoise and so on and dodo we can remove. But we can't see the small bones because they're covered in mud. So they must go over to a sieve where they can be washed and filtered out. And then the very small bones can be collected as well. Is it possible to miss some pieces, important pieces? Well, we try to be as thorough as possible and we have a number of sieves. So we have a large size at the top and then work down to a small size, so hopefully we collect everything. What we have here is just one example of this type of tortoise. And as you can see, we have beautifully preserved the shell. And if you look very carefully, the shell is very, very thin. It's about 1 millimeter thick because, like the dodo, these animals had no predators. There was nothing to attack them. So they did not need a thick armored shell. And we can see this by these beautiful preserved remains. And we have the leg bones here, and also parts of the skull and the jaws. So this can tell us so much more about these animals and how they lived. But also, with the animals, we're finding lots and lots of seeds. Now, these are the famous tamblacock, the dodo tree. And this tree is no longer found in this area. It hasn't been here for a long time. But we know from the number of seeds we're finding that
this was an incredibly abundant tree here, and it's very likely that tortoises were eating the seeds. Des œufs, mais aussi des plantes. Pour en savoir plus, je prends rendez-vous avec la responsable de l'herbarium du Mauritius Sugar Industry Research Institute à Réduit. C'est là que sont conservés des centaines de documents et de spécimens sur la flore des mascareignes depuis des siècles. C'est vous dire l'expertise de l'Institut dans le Tambalacoc. The Tambalacoc is a plant that occurs only in Mauritius, it's an endemic species. It occurs in the wet forest and is linked somehow with the dodo. Some people call it the dodo tree because they believe that fruit needs to be eaten by the dodo for the species then to, for the seed to germinate, then going through the gut of the dodo and being embraced because it's very hard, very thick. And what is not really very true, but you have the lot of people outside Mauritius know it, this tree as the dodo tree. In fact, you don't need the dodo, they can germinate by itself. But the problem is today the species is very rare, you have very few plants left, about, we imagine, something like 1,000. And they have other problems, that is not the lack of the dodo, but the invasion by mainly guardachine, monkeys that predate the fruits and flowers. All this then decreases the number of fruits that are being produced and the seeds that can germinate and grow back in the forest. If you go in Mauritius, then you can see a lot of bones of dodo and a lot of seeds of tambalacoc. Then indeed they work together. And so recently, this is what you find there in the Mauritius. Yes, this is a kind of seed material that you find over there. So how far are these seeds helping you to discover more about the environment of that time? People are not looking at the seeds so much. And going there and collecting, because you can have huge numbers of seeds mixed with these bones as well, you can start to have an idea how was Mauritius and the environment around, and then how was the pristine Mauritius before the men arrived. And at that time, because many of these seeds has been dated of about 4,000 years ago. We are identifying the seeds, and with these in hand, you can have an idea how the marsh was formed and what kind of vegetation you had around. So far, I had identified 20 species. We didn't go yet to the small fractions where you probably can find a lot of other species of very small seeds. You have look only the big ones, to more or less of these 5 millimeters. And you can then learn how was the environment around, how it fluctuates through time, because if you look at the different layers, because they form at different time, and different places of the marsh as well, could give an idea of how the vegetation around was different. And here you can see you have different species. This one is bud leaf, it's called Cassini orientalis. This one is Boacolophon, Canarium paniculatum. And these things were the few things that remained from other excavations. With this has been collected, as you can see, in October 1942. And I don't know if I think someone went there and collected. We don't know how it was done and anything, but very little things had been done concerning the flora. Mauritius n'est pas très loin de la côte, quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Près de l'hôtel Chandrani passe une rivière qui se jette dans la baie.
La proximité de la mer explique la conservation des os des anciens maîtres de Mare-aux-Songes. Alan, during the recent digging of the dodo bones, they found some sand in Mare-aux-Songes. How did that happen? Yes, you're quite right that the sand helped to preserve the bones at Mare-aux-Songes. I wonder why that was. Well, one important fact we must know is this very creek that we're looking at here that goes that way, after about half a kilometer, reaches Mare-aux-Songes. Of course, the water doesn't go to Mare-aux-Songes now, but many, many thousands of years ago, when the sea level rose from here to about this level, then you can imagine the water went all the way up to Mare-aux-Songes. And as the tides went in and out, you can imagine what went with the water. Of course, the sand, the shells, the fish. And so the sand was actually deposited at Mare-aux-Songes to great depths. Now, what was in the sand, do you think, that helped to preserve the bones? Well, shells. Now, shells, seashells, are made of calcium. And the water coming up through the sand helped to preserve the bones that were then deposited by dying dodos, dying tortoises on top of the sand. And that water was made an alkaline water instead of an acid water. It's the acid in water. Rainwater is acid. It's the acid that helps to disintegrate bones and dissolve them. And so the sand was very important in making this a unique place in the world for the preservation of those bones, which are 4,000 years old. Bon, disons que bon, y a une très grande diversité de taille aussi, hein? Et d'espèces. Donc, il y avait cette partie de l'île Maurice était encore assez riche. Hein. Bon, c'est le seul endroit au monde, peut-être, qu'on a trouvé autant d'ossements sur une si petite superficie. Hein. Est-ce que, à vue de nez, si j'ose dire, est-ce qu'on est capable de reconstituer en partie un dodo et une tortue? Une tortue, je crois facilement, oui. Un dodo, là, ça va être un petit peu difficile pour l'instant, parce que, bon, vu avec ce qu'on a. Récupérer. On n'a pas tous les éléments et on peut, ils sont un peu fragmentés. Par exemple, là, vous avez des ossements du dodo. Ouais. Ça, c'est la partie inférieure hein, qui se place à peu près comme ça avec les doigts au bout. Et ça, c'est un os qui vient tout juste avant, comme ça. Hein, de la patte gauche du dodo. Et vous avez aussi la partie arrière, c'est du bassin du dodo. Là, nous avons un humérus de dodo. Donc, tout ça fait partie de cette. Apparemment, c'est une collection qui vient d'un individu unique, hein, cette partie-là. Le reste, on ne sait pas parce que c'était un peu amalgamé avec les autres. Ici, on peut voir. Là, on a. Dans ce morceau, on a. Un museau de tortue, hein, qui est très intéressant aussi. Malheureusement, la partie arrière, on n'a pas. Ici, vous avez un très beau morceau, là, qui est le plastron. C'est la partie ventrale de la carapace de tortue. Et comme vous voyez, là, vous avez beaucoup, beaucoup d'éléments de tortue. Donc, il y avait vraiment une... Bien qu'il y avait une diversité, mais il y avait beaucoup, beaucoup de tortue aussi. Hein. Donc c'est un patrimoine extrêmement riche. Riche, oui, très riche et qu'il faut conserver à tout prix. Hein? Mare-aux-Songes, c'était sûrement un lieu, un réceptacle de, écologique avec un système qu'on retrouve encore en Afrique, hein, des points d'eau où se rabattent toutes les espèces. Hein, quand il n'y a pas d'eau ailleurs, donc. Parce que la Mare-aux-Songes, c'est comme un réceptacle qui fluctue au cours du temps, hein, des saisons sèches ou pluvieuses. Donc, quand on a cette agglomération d'espèces, là, il y a peut-être une sorte de
combat pour survivre, etc. etc. Donc là, c'est pour forcément, on aura beaucoup, beaucoup de spécimens qui vivent et qui meurent dans cet endroit. Des scientifiques et des ingénieurs mauriciens, hollandais et britanniques, unis dans une expédition archéologique et qui va monopoliser toutes les attentions durant les années à venir. Ce qui est fascinant, c'est que tout a une importance, même ce qui est très petit et qui paraît insignifiant. And I was sent here to investigate small things and trying to find small things from Marosonge to get an overview of the whole fauna of the Marosonge. I've been sent here because I'm very good at picking out very small things. I found two extinct species of mice in the Netherlands already. Have you ever worked on a site as rich as Marosonge? No, I've never. I'm very overwhelmed by all the bones I've seen coming out from especially the turtles and the dodo. It was very interesting. I've never seen anything like it. It's quite amazing. Yes, it is, absolutely. Yes. Well, one thing that that we're interested in doing, and I have a student who's working in particular on this, is we're extracting DNA directly from the mud. And what we're trying to do by doing this is look not just at dodos and not just at tortoises, but also at the plants. So we know very little about how everything else was influenced by humans first arriving in Mauritius. And so what we want to know is how much was lost and how rapidly was that diversity lost? How many tree species were lost, or insect species, or bacterial species? Or when do you see an influx of new pathogens potentially with humans, or new trees and other plant species that were introduced into the island? And how does this influence what's going on? We can learn that just by extracting DNA directly from plugs of soil that we've taken out of the scoops and of the excavation as it's been exposed. Nous ne vous dirons pas où nous sommes, le lieu est tenu secret. Cet os de dodo va révéler bien des choses. 24 institutions étrangères et locales vont l'étudier pour peut-être découvrir ce qui s'est passé à Marosonge il y a plusieurs siècles de cela. This is a part of the collection we excavated this year. As you can see, this bag is completely filled with bones, and many of them belong to the giant tortoise, which is now extinct in Mauritius. And besides bones, we found an amazing abundance also of wood and branches and tree stems, and all together, both the bones, the fossil bones and the fossil wood, help us to recreate the world of the dodo as it was before man entered the island of Mauritius. We found about 4,000 bones only within a week of excavating at Marosonge. And why do you keep them in plastic bags? This is because we store them so that they can air dry in the air, and that's the best way to treat these bones. Just simple, don't leave them wet, otherwise you get fungi and other materials on them growing. So drying them in the air is the best way to conserve them. We can actually find the shields of the tortoise, really beautifully preserved, and as you can see, even the lineations on the shields are still visible. And this quality is really unheard of. It is one of the best examples on the world of fossil preservation. And that type of preservation helps us to restore how these animals looked like that have lived in the past on Mauritius. Because we find so much bone fragments, it's really crucial to label them properly. So what we do after we have washed the bones, because they come out the soil very muddy, we wash them and clean them, air dry them, and while we're doing this, we fill in a bag with bones and we label them. All this information we put in a database, and then we can analyze the data.
We need to know exactly where we find the certain types of fossils, because then we can make a scientific analysis of the type of environment where these animals lived in and where the animals were when they were living in Marsons 4,000 years ago. And this is only a small part of what we collected this year. If you look over there, you see all these boxes. They're filled with bones, and this is only a part of what we collected the year before. Sites like these, we know them from America and in Europe. Scientists work for decades on these sites because there's so much to identify, to research. It's an enormous job to do. Le dodo, star des œuvres de fiction. Avec son ami Lucas, Ticoulou part à sa recherche et arrive à le trouver. Dodo, où es-tu? Dodo, enfin nous t'avons trouvé. Ce que je suis contente de te voir. Les animateurs d'Hollywood se moquent de son sort et de son intelligence dans l'âge de glace. I don't know, but I've been told. I don't know, but I've been told. End of the world be mighty cold. Prepare for the ice age. Même le célèbre voyageur dans le temps et les dimensions, le Docteur Who, le rencontrera dans une aventure. Les Anglais le feront revivre dans un épisode de la série culte de science-fiction où les paradoxes temporels sont très communs. Notre pré-étudiant sera bientôt de l'histoire ancienne. Hey, tu l'as dit, Mouffy. Il est plutôt sympa dans son genre en plus. Pas Mouffy. Springhead. Mais qui a bien pu avoir l'idée de faire du dodo un personnage de fiction? Cela commence bien sûr dans un musée. Nous sommes à présent à Maybourg, au musée de l'histoire nationale, pour y apprécier cette peinture. Il s'agit d'une copie d'une peinture de Savary qui se trouve au British Museum de Londres. Et je voudrais demander à Alan, Alan, did the dodo look like that? Well, we really don't know, but we think that most of the paintings of the dodo are a little bit larger than life. Most artists like to exaggerate, but we think that the dodo was a little bit slimmer than that, but each artist copied each other, and many of these artists never saw a dodo. They just copied the painting before and put a little bit more onto it. And so it grew bigger and bigger and bigger all the time. Now these pictures, we can find them in books written on the topic. You wrote one yourself. Is it difficult to illustrate a book on a dodo? No, there are plenty of paintings. Don't forget that it was paintings and eyewitness accounts by sailors that came here. That was the only evidence that we had that the dodo lived on this island. So it was the paintings that gave people the idea that a dodo ever lived at all. Ça, c'est une version particulièrement délirante, en fait, parce que déjà, des perroquets haras qui sont d'Amérique latine, qui côtoient le dodo, c'est uniquement pour le mettre en valeur, mais pas du tout par véracité, quoi. Après, vous avez, par exemple, vous avez une poule rouge derrière. Ici, vous avez un Didosaurus mauritianus, là, le lézard géant. Donc il y a des éléments où on voit quand même que le peintre était au courant de certains éléments de la nature mauricienne. Mais en même temps, par exemple, là, vous avez une grenouille, et cette grenouille-là, elle n'arrive qu'au début du 19e à Maurice, donc importée de Madagascar. Donc en fin de compte, c'est une version fantaisiste, mais le dodo lui-même est un animal particulièrement fantaisiste, quoi. C'est vraiment ce qu'on dit en anglais, fantasy, quoi. C'est exactement ça. And there's a painting like this in Oxford Museum, and a lecturer at Oxford University used to go and see the things in the museum, including a painting of the dodo. When this person, who was a mathematics lecturer, when he decided to write a book for children,
he put a dodo in it. And he was the very, very first person who really wrote about the dodo. He wrote a book called Alice in Wonderland. Alice in Wonderland. And he illustrates the book with a dodo in it. And that book, which was famous throughout the world, was the thing that told the world about the dodo before the bones were found. So it was very important that these paintings went into all sorts of books. We have children's books, this children's book here, The Oldest Dodo in the World, which is sold here and was published here in Mauritius. Another one from Mauritius, In Dodo Land. And then another very good book was published in England by Errol Fuller. And then, well, modestly I must say, I produced my own book on the dodo. And it was quite easy to get many interesting pictures, which this book has in it, from paintings and from illustrations that we had. Voilà qui me rappelle de bons souvenirs. 1985, Maurice accueille les deuxièmes Jeux des îles de l'océan Indien. Et c'est normal que le dodo en soit la mascotte. Il en sera de même pour le Festival international de la mer en 1987. Et on réussira à le faire voler pour les célébrations du 12 mars 1991. Et depuis 2007, c'est le dodo qui souhaite la bienvenue durant la tenue du Festival créole international. Son pouvoir de séduction est inusable. Nous sommes extrêmement contents qu'il nous ait un nouveau logo qui est créé par la firme Mosaïque. Et ce nouveau logo-là, c'est un dodo très festif, avec beaucoup, très en couleur. Qui fait un dodo? Parce que l'île Maurice, propriétaire du dodo. Il y a beaucoup de festivals créoles à travers le monde, mais personne n'a pas capable de servir le symbole dodo. Ça, c'est pour Mauricien, ça. Et donc, tu peux servir un symbole dodo. Et en plus que ça, c'est un dodo festif qui peut amuser. Et donc, pour servir ça, symbole-là, ce logo-là, non seulement pour ce festival-là, mais tout le monde festival à venir. Il y a un très joli, moi, je suis très satisfait. Moi, j'espère que tout le monde mauricien pour bien compter ce logo-là. Il inspire les créateurs de logos, mais aussi les artistes et les artisans, qui laissent libre cours à leur imagination. Je sais que c'était un animal qui vivait à Maurice, qui a été exterminé par les Hollandais, puisqu'ils les ont tous mangés, a priori, d'après ce que l'histoire raconte. Donc je trouve dommage que cet animal aujourd'hui n'existe plus, parce que c'est vrai que c'est un fleuron de Maurice. Et nous, justement, pour les enfants, on leur a acheté des dodos pour pouvoir mettre dans leur chambre, pour pouvoir reconstituer un peu l'univers de Maurice. Même notre garçon, on lui a acheté un t-shirt avec le dodo dessiné. Comme ça, il est fier de porter Maurice sur lui et il sera fier de porter Maurice en France. Oui, mais regarde si vous n'avez pas plus petit. Je dirais que par rapport à ce qui, ici, ce qui représente le plus, c'est les couleurs du dodo. Les couleurs qui sont assez attrayantes, assez vivantes et qui dégagent de la chaleur en fait. Donc c'est un magasin très coloré ici et c'est les dodos qui figurent. C'est des animaux qui donnent de la chaleur. Et vous êtes une vraie artiste. Vous êtes sûr que de ressembler à ça? Non. Vous basez sur quoi alors? Ce qu'on voit, ce que les autres font, c'est des photos. La dernière fois, je pensais à ça. On stylise de deux.
c'est pas comme il était à l'origine. Et il peut être rose. Hardship model, ça. Il peut être réaliste, mais quand c'est réaliste, c'est pas sûr qu'on le reproduit tel qu'il était. On fait travailler sur l'imagination. Est-ce que les Mauriciens, les touristes aiment bien les dodos comme ce que vous faites là? Oui. Les Mauriciens, peut-être que maintenant, le dodo, c'est un petit peu. On a banalisé, on peut dire ça comme ça. Parce que le dodo, on ne prend pas vraiment ça. Mais quand on est ici, comme ce qu'on voit les touristes, dans le domaine du tourisme, là, on voit qu'on gagne sa vie grâce au dodo. Alors que c'est un oiseau qui n'existe plus. On nous pose des questions sur le dodo et puis nous-mêmes, on ne sait pas quoi répondre des fois. S'ils étaient vivants, est-ce qu'on aurait accordé autant d'importance à ces oiseaux-là? Parce que la dernière fois, j'écoutais une émission à la radio, on me disait tu n'es pas nourrir les pigeons. En fait, à vous écouter, je me dis que même mort, il rapporte beaucoup. Oui, plus que s'il aurait été vivant, peut-être. Tous les artisans ne se contentent pas de la caricature, heureusement. Entre des mains habiles, le bois permet de se rapprocher de l'apparence du dodo, plus que le verre. C'est un produit qui accroche, bien sûr avant tout parce que c'est le dodo. À Maurice, c'est, on va dire, l'emblème. Mais aussi parce que c'est vrai qu'il y a plusieurs dodos qui sont faits, ils ne sont pas réalisés de la même façon, je dirais. Il y a des petites choses qui sont différentes. On a un plus justement qu'a apporté M. Griot avec toute l'information. Et je crois que les autres, on va dire, sculpteurs qui le font ailleurs, je dirais, n'ont peut-être pas eu toutes ces informations-là. Donc voilà notre force, c'est la base de documentation. On a 5 morceaux de bois, hein. On a essentiellement le corps, on a la queue qui vient être placée après, et on a les pattes qui sont faites séparément aussi, le tout posé sur un petit socle. Le petit socle dans une branche de cyprès, donc ça relève encore un petit peu le bois. So what we did is looked in books for paintings and pictures of the dodo, and we came up with one of the most accurate paintings of the dodo because this was actually taken from real life in a zoo in the 1600s by an artist called Mansur. So we looked at this one, and then we also looked at this model in bronze of the head of the dodo, and this is fairly accurate because it's been taken from the skeleton of the dodo. On l'aura vu, le dodo est devenu une véritable icône, exploitée sous toutes les formes, de toutes les couleurs, de toutes dimensions, à tous les prix. Et bien sûr, il ne touche absolument aucune royalty, et devant tout cela, eh bien, il n'a pas grand chose à dire. La piste du dodo reprend sous terre, près du volcan Itakanaka, Bois Chéri. En juin 2007, Fred et Debbie Stone partent à la recherche de cancrelats dans des caves. Ils découvrent, c'est exceptionnel, un squelette de dodo entier. La nouvelle fait le tour du monde. Nous sommes vraiment privilégiés. It goes down and opens into a small chamber. Yeah. So you go down and you go under and there's a small chamber. And on the bottom of that chamber, yes. Dodos made its way and died. I've been doing it for 15 years now, to find a specimen in a cave like this is just unbelievable. It's such a rare thing.
And there's only one other, and that's in the Mauritius Institute. But the Mauritius Institute specimen was taken and no records were made of where it was taken from, how it died, anything. This specimen, we can tell the position of it, how it died, all sorts of things from the skeleton. It's just amazing. And it's the first one found, and we know which cave it came from, and we can even work out why it died. But more importantly, it's in the Highlands as well. It's the first one in the Highlands. Blade there, there's the top of the leg. This is part of the leg. There's backbone there, vertebrae. There's the other femur, although it's, see, you can see how it's badly crushed, unfortunately, but there's still not lots of nice bones there. Yeah. Okay. But it's also important, it shows you the importance of caves, that how many caves have been filled in and potentially had dodos and all sorts of things in them, you know. So it's just by chance this one is still open. And this dodo's got to be at least 400 years old. 400 years. Yeah. So there's remains of it. It's been laying here for 400 years until today. Donc après qu'il fait une découverte Fred dans Caverne Hirondelle à Bois Chéri, Zot Ossement, il demande un autre type de conservation. Comment on peut faire pour préserver Zot? Ce ben, ossement-là est bien fragile. Et là, comment nous le mettons? Nous le mettons dans un papier qui peut absorber l'humidité, parce que ce ben, ossement-là, tu déjà a beaucoup d'humidité. Tout simplement pour prévenir les gâteplis, nous le mettons un coton avec lui, avec un papier, un tissue paper, qui peut absorber cette humidité-là. Et ici, comme on vous montre, là, nous avons une partie bien intéressante encore. Nous avons une partie métatarsienne, comme on m'a expliqué tout à l'heure, qui est attachée au bas du pied. Nous avons une tibia. Mais malheureusement, comme on peut trouver là, si dans une vine fragile, avec le temps, cette partie des os-là commence à casser. Une vine bien brutale, elle commence à casser. Et que là c'est une partie bien intéressante encore. Heureusement qu'il nous reste gagné, c'est une partie de pharynx, une bout de les doigts. Vous trouvez plusieurs parties qui ajoutent ensemble, fait ce morceau les doigts. Et là, dans la cave, quand nous sommes allés, nous avons ça reste de deux là. Et ici, comme on avait trouvé, et dans ce man reste encore dans sa roche là. Et ça man partie, le reste qui nous restait du deux là, c'est pas un affaire qui nous garder comme ça, nous servir pour faire une analyse. Une analyse qui vous donne un résultat bien approfondi, une analyse comme DNA. And these information are trapped in the bones right now? Of course it is. It's the DNA itself. It's actually in the matrix of the bone. You've got DNA in your bones as well. In fact, I could probably touch you and get a bit of your DNA off of it. In fact, this is one of the biggest problems with working with DNA that's quite old, is everyone who's touched these dodo bones, their DNA gets in this bone, and so I have to sort out the pigeon from the person. This year's samples look a lot better. I think they might be from a younger bit, slightly higher up. And also the dodo bones that are in the museum in Port Louis are in very good condition. So I think there's lots of hope for being able to reconstruct the dodo community. And this is my interest here. So we already know what the dodo is now. We know what type of pigeon it is. What we want to do now is we want to see what the dodos did, what their populations were like, how their populations were influenced by things like changes of the climate over the last maybe 6,000 or 7,000 years, and in particular when humans arrived. So what we want to do is try to extract DNA from lots of dodos, and then we'll use this information to predict how the population size is changing through time. So we look at genetic diversity, and when the genetic diversity is very big, then we guess that this means that there was a very large population. When the genetic diversity is very small, then this means that there was a small population. And so we can see the changes in between big genetic diversity and small genetic diversity, and then we correlate this with time, and we can say we had a very large dodo population, then humans turned up, and all of a sudden we had a very small population. And that's one of the questions we're interested in, was how rapidly did the dodos go extinct after humans turned up? Did it take a very, very long time, in which case we'd expect to see a small amount of genetic diversity persisting for a very long time, or was it very quick, in which case we would see lots of diversity and then nothing at all? So we can test this hypothesis using the DNA that we extract from the bones that are coming from these finds, and also that have come from Marsange previously in the museum. La nature nous réserve parfois de bonnes surprises.
Le 31 octobre 2007, une tortue de mer de l'espèce Chelonia midas, dite tortue verte, est venue pondre 113 œufs sur la plage de Gris-Gris. 110 œufs. Ce n'était pas arrivé depuis 1977. Les premiers visiteurs de l'île se souviennent donc toujours que ces plages sont des berceaux accueillants. Ici, c'était un signe, comme pour nous dire, à nous de n'épargner aucun effort pour que les tortues qui vont survivre reviennent dans nos eaux, comme ils le faisaient jadis. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre voyage. Nous mettons le cap vers l'île aux aigrettes. Dernière escale sur la piste du dodo. Il y en a un, paraît-il, sur cette île de 26 hectares, gérée par la Mauritian Wildlife Foundation. Un plateau de corail. Une réserve naturelle depuis 1965. 150 variétés de plantes, 8 oiseaux uniques à Maurice. Nos guides nous emmènent dans une cave pour faire le point sur l'importance écologique de l'île. Nous sommes ici dans cette cave. C'est une cave naturelle de calcaire. Et dans les recherches que nous avons faites il y a plusieurs années de cela, ont démontré que cette cave est le site le plus riche au mascarin pour les mollusques terrestres. Donc en essayant de comprendre quelle était la composition des mollusques sur cette île, on pourrait essayer de ramener des mollusques qui ont disparu. Dans cette cave, par exemple, on a retrouvé des restes des tortues indigènes de Maurice, endémiques de Maurice. Par exemple, donc on peut à coup sûr, avec beaucoup de sûreté, dire qu'il y avait des tortues sur cet îlot dans le passé. Nous voulons que l'île aux aigrettes ait d'autres îlots de Maurice. L'île Ronde, par exemple, l'île Plate, peut-être l'île Gabriel, Coin de Mire, servent de sanctuaire pour des animaux qui sont en voie de disparition ou qui sont en danger. Et c'est ça le but. Ce que nous pouvons faire sur les îlots, on arriverait mal à faire. Je ne dis pas que c'est impossible, mais avec beaucoup plus de difficultés qu'on arriverait à le faire sur la Terre, sur Maurice même. Pour des mains expertes, il ne faut pas longtemps pour attraper un cinque de Telfer, une espèce endémique de l'île Ronde, introduite à l'île aux aigrettes. Ça, c'est un Telfer, c'est un Telfer skink qui sortit depuis l'île Ronde. Ça, c'est un electronic device qui est là. Et si nous avons connu ces animaux-là, quand ils sortent, nous espèces là. Voilà. Et un numéro qui est rattaché à l'île. Ça, c'est skink qui nous a amené depuis l'île Ronde. Il y en a ça avec lui. Donc, ça coûte quand nous retournons aux aigrettes. Il y a un volontaire qui travaille avec nous. Qui, tous les jours, dans la forêt, il rôde sa bande skink là. Et ça coûte les gars, ça, ce qu'il fait, ce qu'il peut faire là. Donc, comme je disais, il fait ça, ça titille. Là, il a ce numéro. Et rattaché à ce numéro là, vous connaissez s'il y a un mâle ou bien une femelle, ou bien ça coûte qu'il est gay. Il nous prend ce poids, il nous prend. Donc, s'il peut faire bien, si ce health, comment il était, ce fitness, qui va un insecte qu'il mangeait, s'il y a une souris, ou des affaires comme ça. Un pigeon qui a lui aussi bien failli disparaître. Vous ne le voyez pas, attendez, on va zoomer. Le voilà, le pigeon démare. Au début des années 90, il n'en restait qu'une dizaine. Ils sont 350 aujourd'hui, un véritable rescapé.
nous avons réintroduit les oiseaux qui ont disparu de l'île, tels le pigeon des morts, le cardinal de Maurice, l'oiseau à lunettes. Donc ce sont les trois espèces avec lesquelles on a travaillé sur l'île, et aussi la cresserelle de Maurice, mais malheureusement elle n'est pas restée, mais on a utilisé ça dans la stratégie de restauration de la cresserelle de Maurice. On a voulu pousser cette restauration beaucoup plus loin en introduisant des reptiles. Tout d'abord les tortues. Comme vous savez bien, les tortues des mascarins ont disparu depuis des centaines d'années, et on a voulu utiliser, disons, l'espèce la plus proche qu'on pouvait trouver facilement, et c'était la tortue d'Aldabra. On a 22 tortues qui sillonnent l'île et qui nous aident au fait dans cette restauration. Donc nous utilisons la tortue des Aldabra pour la restauration de l'écosystème, puisqu'ils contrôlent des mauvaises herbes. Ils font aussi la dissémination des plantes indigènes. Cette dissémination qui ne se faisait pas, sauf pour les laboureurs qui sont là pour planter des graines et planter des plantules. Mais il n'y avait pas d'animal qui était disséminateur des graines. Et ça, c'est le rôle que les tortues jouent sur cette île. Je pense que le public va être étonné d'apprendre que nous avions des flamants roses à Maurice, que nous avions des hérons de nuit à Maurice, que nous avions des aigrettes à Maurice, que nous avions des fous masqués à Maurice. Et l'aigrette... Nous savons que dans les marécages autour de Maurice, il y avait de fortes populations d'aigrettes dimorphes, ce qu'on appelle dimorphic aigrettes, aigrettes dimorphes. L'île aux aigrettes détient son nom de cette espèce. Et nous avions aussi des flamants. Et je pense qu'à l'avenir, ce serait possible de faire cette reconstruction. Et c'est là que la protection des marécages, c'est important. Et que c'est possible de réintroduire les crêtes à Maurice. Mais il faut, pour que cela puisse se faire et que pour ces actions puissent être pérennisées, il faut que ces marécages soient en bon état. C'est pour ça que un aspect de notre travail, c'est de conscientiser et aussi de dire aux développeurs, au gouvernement, qu'il faut protéger les marécages de Maurice. Et avec cette protection, ce serait possible de réintroduire l'aigrette dimorphe. Et ça, c'est un de nos souhaits. Malcolm de Chazal était un rêveur. Ce génie des mots était aussi un visionnaire. Il avait prédit qu'un jour, les dodos allaient réapparaître. L'un de ses admirateurs nous lit une prophétie qui semble devoir se réaliser. Malcolm de Chazal écrit ceci. En l'an 2000, soudainement, par génération spontanée, des dodos vivants ont apparu et se sont mis à multiplier. On en voit dans les cours. Mais, chose curieuse, quand on porte un couple de dodos ailleurs, ils pâtissent et meurent. L'île Maurice, depuis, n'est connue que comme Dodoland. Des milliers de visiteurs viennent chaque année pour voir les dodos. Il y a 30 ans, le dodo ne prenait pas trop de place dans le musée de l'histoire naturelle à Port-Louis. Une simple vitrine faisait l'affaire. Mais aujourd'hui, c'est toute une salle qui lui est consacrée. Une véritable attraction, une réhabilitation, une reconnaissance. La galerie du dodo, comme si l'idée même est venue après les fouilles de Marochonze en 2005. Comme vous le savez, en 2005, on a découvert pas mal de fossiles d'animaux et de plantes. Et puis, on a eu d'autres fouilles en 2006 et en 2007. C'est après cela qu'on a eu, comme si, des pourparlers avec les autorités hollandaises pour, comme si, mettre sur place un projet d'une galerie du dodo. Les Hollandais, surtout le Tropen Museum d'Amsterdam, de la Hollande, avec le musée d'histoire naturelle d'Amsterdam,
C'est un projet conjoint qu'on a fait et on a mis sur place cette galerie du dodo. Le dodo, comme si le message même du dodo, c'est-à-dire de le dodo nous fait penser de mettre l'emphase sur l'importance de la conservation de la biodiversité, hein, des espèces animales menacées de disparition. Hein. Et comme on a dit, le dodo est mort, mais le dodo est devenu vivant aujourd'hui à travers cette galerie, hein, à travers cette galerie permanente du dodo, qui va au fil des jours, au fil des mois, hein, au fil des années, s'améliorer en tant que qualité et quantité. Hein. Et on a aussi, comme si dans cette même optique, l'idée de lancer la piste du dodo, sortir du musée naturel d'histoire de Port-Louis pour aller à Vieux-Grand-Port, où il y a le fort hollandais là-bas, le site hollandais. Pourquoi le musée du Vieux-Grand-Port? Parce que c'est là que les premiers Hollandais foulèrent le sol mauricien. Et bien sûr, après, la piste du dodo va continuer jusqu'à Maroochons. Mon trésor, mon désert prépare aussi un projet qui mettra en valeur le site de Maroochons. Ce patrimoine est bien trop précieux pour qu'il ne soit pas exploité. On voudrait le faire dans tout un complexe pour recréer ce qu'on appellerait un sanctuaire du dodo. Pour que ce soit le Mauricien qui y va, que ce soit le touriste qui vient à Maurice, ben, il peut se vanter d'avoir été dans l'endroit exceptionnel qui a hébergé les dodos il y a des milliers d'années de cela. Et c'est un peu comme quand on va visiter certains endroits uniques et ils peuvent prendre une photo et se dire « We are in dodo land » et qu'on ne peut pas le faire ailleurs, excepté qu'à Maroochons. Il y aura des parcours, un parcours, allons dire, dans la nature. Il y aura des expositions, il y aura peut-être des films en boucle qui vont montrer comment le dodo a vécu. Il y a pas mal de choses que nous pourrons intéresser. Bien sûr, il y aura une boutique où on pourra acheter des souvenirs. Mais c'est pour que l'endroit aura un cachet où quand le touriste viendra, ben, il pourra avoir une bonne idée de ce que c'est que le dodo et repartir un peu mieux renseigné sur cet oiseau emblématique qu'est le dodo. The dodo is extinct. We cannot do much about it, but you can learn about this and now look what you have left and try to preserve it. Because most of our flora and fauna are very endangered, and if you don't do anything and if you don't try to restore it, they are going to the same way as the dodo, and they are going to be known only from the museums or bones or seeds. And each species that goes extinct is a lot of potential that you're losing because they can have properties that we don't know yet. And I think ethical as well, they are living beings and you should not let them die. Et si un jour on arrivait à recréer le dodo avec les recherches ADN, allez savoir. Et si un jour on arrivait à recréer son environnement, car ce dodo, eh bien, il faudra bien qu'il mange. Il trouvera certainement refuge sur notre terre, je crois que nous avons appris la leçon. Toutes les espèces qui ont disparu il y a quelques centaines d'années avec le dodo nous ont laissé un ultime message. L'homme doit tout faire pour assurer leur préservation. Ils ont les mêmes droits de vivre sur la planète bleue.